Buongiorno, Salut, benvenuto. benvenuti a tutti. J'ai rencontré Mario il y a 2-3 ans, non même plus, 4 ans. On allait deux travailler chez Scout 24 à Flamatt, la société qui a aujourd'hui les portails Anibis.ch, ImmoScout, AutoScout. Mario a travaillé chez Anibis, moi j'ai travaillé pour AutoScout. C'était là où on s'est posé la question pourquoi il n'y a rien de pareil pour les vélos. Ouais, Mario, peut-être toi t'expliques un peu l'idée de Vélo Corner. Scout 24 hat Velocar zur Verfügung gestellt, zum Biken am Mittag, zum E-Bike arbeiten. Und das war so ein bisschen die Initialzündung, wo wir uns die Frage haben gestellt haben: Ja, gibt es etwas für die Velobranche, für den Fachhandel, wie wir haben für die Autobranche? Und dann sind wir echt Händler besucht in der Region, weil denen die Frage gestellt wie teuer. Hat er eine Plattform, die die Velo drauf tut? Und das Feedback war eigentlich so etwas spezialisiert. Nur für Velo gibt es eigentlich nicht. So ist das Ganze entstanden. On est l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, c'est-à-dire lui qui cherche un vélo et puis lui qui a envie de montrer son vélo. Égal si c'est un vélo neuf ou bien un vélo d'occasion. Égal si moi je suis un privé ou bien moi je suis un marchand de vélo. Tout le monde peut soit vendre, soit acheter un vélo, tout simple, en quelques clics. Speziell für den Fachhändler sollte Velo Corner eigentlich ein digitales Schaufenster sein, dass sie eigentlich das ganze Warenlager ersichtlich machen online. Also nicht nur das, was sie nicht loswerden, sondern echt, dass sie zeigen, was sie im Shop haben. C'est bien évidemment qu'on puisse participer à chaque vélo qui change le propriétaire. Peu importe si c'est un vélo neuf ou bien un vélo d'occasion. Peu importe si moi je suis un duel, une personne privée ou bien un marchand de vélo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vélos neufs sur la plateforme. Il y a un marché vélo d'occasion qui est en train de se créer, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. On a à peu près 6 millions de vélos dans les ménages suisses qui sont aujourd'hui quelque part, mais qui ne trouvent pas encore vraiment un marché d'occasion, surtout pas en ligne. Zukunft gezogen, kleine Projekte haben wir natürlich auch noch. Es geht in die Logistik-Themen, in Versicherung und Finanzierungen. Also es hat sehr, sehr viele Sachen, wo wir nebenbei auch dran sind. On vient de Bienne, Bern, Fribourg, Murten et puis aussi l'Allemagne. Ouais. Voilà. Personne, je crois. Parce que... Ich glaube, wir sind beide nicht gleich, nicht super pünktlich, würde ich mal sagen. Ja. C'est clairement Mario, il adore parler. Okay. Ja, aber meist meistens lustig. Also, ah, c'est costaud. Oder nicht? Also, das diskutiert ihr gesehen, nehme ich jetzt mal an. Ja, schon ja. Vor allem, weil ich dort bei den Händlern, bei euch, oder? Bei den Velohändlern komme ich immer Kaffee über. Also. Mon bureau, c'est l'inverse, parce que moi, je paye le café, et puis lui, il le boit. Drei maximum. Bah, quand même, trois fois. Ja. Deux balles chaque jour. En plus, il ne reste que le café décaféiné. Ah, ok. Mario. Ja, also gut, vegan bin ich nicht. Ich esse schon Fleisch, aber immer weniger. Und ich habe ihn langsam auch auf das Bötchen geholt. Super.